Le handover désigne exclusivement le changement de cellule d'un terminal en cours de communication ou en cours de session. En veille, on ne parle pas de handover parce que, en général, en veille, c'est le terminal qui se positionne sur une voie balise, à l'écoute d'une voie balise. Il décide de changer à tout moment. Il n'y a pas forcément d'interaction avec le réseau. En général, il n'y a pas d'interaction avec le réseau, sauf s'il y a changement de zone de localisation. C'est donc la deuxième réponse qui est correcte. Le hard handover, comme c'est expliqué dans la séquence, consiste à arrêter la liaison radio sur la cellule courante le temps d'établir la liaison radio sur la nouvelle cellule. C'est donc également la deuxième réponse qui est la bonne. Le soft handover, par opposition au hard handover, consiste à établir la liaison radio sur la nouvelle cellule avant de couper la liaison radio sur l'ancienne cellule. C'est donc la deuxième réponse, puisque dans ce cas, on va avoir deux liaisons radio actives simultanément entre un terminal donné et deux stations de base, a priori voisines.